Good morning, Aleiden. Les tu seras aujourd'hui le lundi schmat. Amar Miona ben Chana, Peggy Batester, Kuka Batfrit, Na, Zara Bat Manaltov, Shish Portish, Rachel Rachel Bat Sarah, Simon Bat Leoni, Mikael Novikov. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin Perektet Mishnah Gimel. Rotseach, Shinitarev, Bacherim, Kulan Turin. Rabbi Yehuda Omer, Kotsinoto la Kippa. Kol Chayvi Mitot, Shinitarvu, Zebazé, Nidonin Bakala. Aniskalin, Manisrafin. Rabbi Shimon Omer, Nidonin Baskila, Shasreifa Chamura. Vachamim Omerim, Nidonin Besreifa, Shaskila Chamura. Amalen Rabbi Shimon, Ilu lo et Asreifa Chamura, lo nitna le bat kohen shezinta. Amru lo, Ilu lo et Askila Chamura, lo nitna le meged efruim, ve lo obed avoda zara. Anei Ragin, Banechanaki. Rabbi Shimon Omer, Basaif, Vachamim Omerim, Bachenek. Deux sujets dans notre Mishnah très distincts. On va couper la Mishnah en deux. On va aller repartir au milieu, quoi, et après on continuera sur la fin. Rotsar, Shinitarev, Bacherim, Kulan, Turin. La Mishnah nous enseigne. Un assassin, littéralement, qui s'est mélangé avec d'autres, alors ils seront tous dispensés. Au sens simple, ça pourrait signifier qu'il y a eu un assassin, qu'une fois qu'il a tué, on a prononcé sa sentence, il est parti se mélanger avec deux autres, un autre sosie, on ne sait pas qui a tué, qui n'a pas tué, on dispensera tout le monde. Mais en réalité, la Gemara explique ça différemment. Elle explique qu'il y avait deux personnes qui étaient là, et on avait vu qu'il y avait quelqu'un qui préparait un coup monté, on ne sait pas lequel des deux. Et on les a prévenus, on leur a dit, vous n'avez pas intérêt à tirer la flèche sur Reuven. Et ils ont dit, t'inquiète pas pour nous, on veut quand même le tuer, on en a marre. Ou il y en a un des deux qui a parlé, ou peu importe. D'accord ? C'est ce qui m'intéresse d'avoir la trace. Et que finalement, on a vu une flèche sortir d'entre les deux, partir sur Reuven et le tuer. Est-ce qu'on va le condamner ? Est-ce qu'on va les condamner les deux ? Qu'est-ce qu'on va faire dans le doute ? On est bloqué. Ça s'appelle un rotsear shinitarev ba'acherim. Un meurtrier qui est mélangé avec d'autres. On ne sait pas. Même si maintenant chacun va dire c'est pas moi, c'est l'autre. Est-ce qu'on pourra dire qu'on a vu le meurtrier ? Réponse, non, on n'est pas sûr et certain. Même plus que ça. Le Barthénois va nous rapporter, même s'il y en a un qui est Mourzak Bechassidut, il y en a un qui c'est Mamash, c'est un grand sadique. Il est pur, on connaît très bien ses intentions. Et lui, il nous dit, moi, Chazu Shalom, que je tue quelqu'un. Et l'autre aussi, avec sa tête de patibulaire, il nous dit, Chazu Shalom, que je tue quelqu'un. Et ouais, bah dans tous les cas, on ne pourra condamner personne, étant donné qu'on n'est pas sûr et certain, on n'a pas vu de nos propres yeux que la flèche est sortie du meurtrier. D'accord ? Ça, c'était la première partie de la Mishnah, avec encore un petit détail. Rabbi Yehuda Omer, Konsin Otan Lakipa. Littéralement, c'est très choquant. Rabbi Yehuda nous dit, Konsin Otan Lakipa, on les fait entrer dans Lakipa. Lakipa, c'est la fameuse, le dôme, l'endroit fermé, la cellule fermée, où on fait mourir les gens de faim. On a déjà évoqué dans plusieurs endroits que ça existe. Lorsqu'on n'a pas les preuves suffisantes, on avait évoqué avec l'histoire de Rabbi Hanan Ben Zakkai là-bas, lorsqu'on n'a pas les preuves suffisantes pour prononcer l'exécution du Bet Din, ce qu'il a se réfère avec Bechenek, alors quand même, ça ne dispense pas les juges de malgré tout de supprimer ce meurtrier, même s'il manque les conditions requises pour faire la condamnation de la Torah, mais on zébrera quand même pour l'éliminer. En l'occurrence, Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on appelle faire entrer dans la kippa. On fait entrer dans une pièce fermée, on lui donne à manger là-bas de l'orge, jusqu'à qu'à la fin, l'orge fait gonfler le ventre, jusqu'à qu'à la fin, il explose. Rabbi Yehuda nous dit donc, apparemment, littéralement, on le fait entrer dans la kippa. Soit, ça semblerait que un assassin qui s'est mélangé avec deux autres personnes innocentes, on tuerait les trois. Mais Chas de Shalom nous dit juste pareil. On parle en réalité de quelque chose de complètement différent. On parle en réalité qu'il y avait ici un shor aniskal. C'est quoi un shor aniskal? C'est un taureau condamné à mort. Par exemple, un taureau qui a tué un homme. Il est condamné à mort, Ryuskila. Dans d'autres situations, on avait évoqué, par exemple, le cas où un homme a des rapports avec un animal, qu'il faut aussi tuer l'animal. Alors, si ce taureau se mélange à d'autres taureaux, même à 3 taureaux, 10 taureaux, 60 taureaux, 100 taureaux, 1000 taureaux même, il y a une halakha spéciale dans les Hilchot Taharovet, dans les lois des mélanges interdits, un taureau ne s'annule pas au milieu d'autres taureaux. En l'occurrence, si ce taureau qui est Chayav Skila, on ne peut plus en tirer profit, on ne peut plus rien en faire. Il se mélange avec d'autres taureaux, avec 100 taureaux par exemple, et bien les 101 taureaux, on ne pourra plus rien en faire, on ne pourra plus tirer aucun profit d'eux, même pas de leur peau ni rien. En l'occurrence,
Rabbi Yehuda nous dit, bah, tu sais quoi? Fais-les tous entrer dans l'enclos, fais-les tous mourir de faim, donne-leur à manger de l'or jusqu'à qu'ils explosent, et c'est tout. D'accord? C'est ce que Rabbi Yehuda nous dit, encore une fois, quand ils entrent dans l'équipa, on les fait entrer dans la kippa, dans l'enclos fermé, pour qu'ils meurent de faim, et on parle des taureaux. On arrête là pour le moment, on fait tout de suite le Bar Tanoura, parce que la prochaine partie de la Mishnah, c'est aucun rapport, tout simplement. Un assassin qui s'est mélangé avec d'autres personnes. Kegon, Shnaim, Shayu, Omdim. Deux personnes qui étaient debout. Et une flèche est sortie d'entre les deux et est partie tuer. Shneim Turin. Les deux seront dispensés. La filo echad mishneim murzak bechassidut. Même si l'un d'entre eux est murzak bechassidut, quelqu'un réputé pour être un grand tzaddik, pur, gentil. Et c'est exclu complètement, c'est Baba Salé, il a son foulard, il voit même pas à 2 mètres de lui tellement qu'il a le foulard descendu sur les yeux. Alors quoi? C'est certain que c'est pas lui qui a pu le tuer. Afilo achi, malgré tout, on ne pourra pas condamner l'autre sur le simple fait que c'est pas possible que ce soit l'autre qui l'a tué. On t'a demandé de voir la flèche sortir de sa main, on n'est pas sûr que la flèche allait sortir de sa main. D'accord? Rabbi Yehuda Omer. Alors ça c'est l'histoire de Rabbi Yehuda qui nous dit de les faire mourir de faim tous, de quoi il parle. Matnitin chesure mersera, la Mishnah manque de mots. Et ve'achiktane, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ve'shor shenigmar dino shenitarev bishvarim achirim, un taureau sur lequel la sentence d'exécution a été prononcée et qui est parti se mélanger à d'autres taureaux. Soklimotam, eh ben on les assassinera, on les exécutera tous selon la mort imposée au premier. En l'occurrence, si on devait lui faire un chiouf, ce qu'il a, le lapider, le taureau, comme le taureau qui a tué, par exemple, alors on les tuera tous, on les lapidera tous. Deha al-Kochar, car malgré toi, Kulu Asurim Bana, de toute façon, ils sont tous devenus Asurim Bana, on ne peut plus en tirer aucun profit. Vafuloen Elef, et même s'ils sont 1000, Mipneze Amurav Ba'en, même s'ils sont 1000, on ne pourra plus profiter de personne, d'aucun d'entre eux. Mipneze Meurav Ba'en, parce que celui-ci, le taureau, Chayav, ce qu'il a condamné à la lapidation, est mélangé parmi eux. Et il car, pour cette raison, Soklin et Kulam, Kedeshitkayem, Mitzvah Skila, Babechouyav Ba. Étant donné qu'on a une mitzvah de faire la Skila avec l'un, alors on te dit, fais la Skila avec tous, et on va se mettre à lapider les 1000 taureaux. Ça, c'était les mots manquants pour enchaîner Rabbi Yehuda. Et sur ça, Rabbi Yehuda Omer, comme si d'entendre la kippa, Rabbi Yehuda pense qu'on les fait entrer dans la kippa, dans cet endroit fermé. Ventzerech les soklan, il n'y a plus de nécessité de les lapider. Et la comme si d'entendre les cheder, mais plutôt on les fera entrer dans une pièce. Vehen metim barav, on les fait mourir ainsi de faim. Ventzerech Rabbi Yehuda, sur ça, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda. On a fini la première partie de la Mishnah, et maintenant on attaque la deuxième partie qui est un tout autre sujet. On va couper en deux, étant donné que la prochaine Mishnah, elle sera relativement courte, ça nous permettra d'équilibrer un petit peu plus. Kaol chayve mitot shinit arvu zebaze nidonin bakala aniskalin banisrafin. Rabbi Shimon Omer nidonin baskila shasrefa chamura. Vachachamim omrim nidonin basrefa shaskila chamura. Amarlen Rabbi Shimon ilo lo haita srefa chamura lo nitna lebat kohen shezinta. On s'arrête là pour le moment. Et la Mishnah nous enseigne d'abord une grande règle. Lorsque tous les condamnés à mort, mais de différentes sentences, qui se mélangent l'un avec l'autre, on ne sait plus qui est Chayav, de quelle mort, de quelle exécution. Alors, Nidonin Bakala, on leur fera à tous l'exécution la moins sévère. Soit, on a déjà évoqué ça, Skila, Sreifa, Herek, Bechenek, comme on l'a dit dans la prière de Yom Kippour, on a hiérarchisé les différentes mitot beddin, les quatre formes d'exécution, selon l'ordre de la plus dure à la moins dure. On ne va pas dire la plus facile, parce que franchement, mais en tout cas, la moins dure. Ce qu'il a, c'est la plus grave, la lapidation. Sreifa, le fait d'être brûlé, on avait dit, en jetant la mèche de plomb dans le gosier pour que ça brûle les entrailles. Hereg, décapitation, on lui tranche la tête, on lui fait sauter la tête en le mettant debout, et on lui coupe la tête. Et Chenek, c'est la strangulation, on l'égorge avec une corde. Elles sont classées par ordre de hiérarchie. En l'occurrence, lorsque une personne qui est Chayav Skila,
ou même trois personnes qui sont chayav skila, qui sont condamnées à la lapidation. Vient avec eux et se mélange quelqu'un qui est chayav be saïf, par exemple, quelqu'un qui est chayav de la décapitation, et ils se mélangent, on ne sait plus qui est chayav de qui. Ils se ressemblent, on n'arrive plus à les reconnaître, on ne sait plus qui. Chacun, on va l'appeler, chacun il dit que c'est moi, moi c'est que le saïf. Ou peu importe, qui parle ou qui ne parle pas. En tout cas, la Mishnah nous enseigne, eh ben, tu choisis la condamnation, l'exécution la moins sévère, en l'occurrence ce sera le saïf, la décapitation, et tu la donnes aux quatre. Et c'est tout. On ne va pas faire la mort plus dure. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mettre à lapider une personne qui n'est pas condamnée à la lapidation. On avait déjà appris que c'est une vita, une mort beaucoup plus grande. Même pour enterrer, on n'enterre pas ensemble, étant donné que la verre est beaucoup plus grave. D'accord? Selon ce principe, donc, ça c'est l'axiome qui va diriger, qui va expliquer toute la suite de la Mishnah. Kol chayav mitot shenitar vous est basé, donc tous les condamnés à l'exécution, à différentes exécutions, qui se sont mélangés l'un avec l'autre, nidonin bekala, on leur, concrètement, on les exécutera en leur donnant la moins sévère. Et alors là, on va retomber sur une machloket qu'on avait déjà évoquée avant, la machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Nous, on avait dit dans les prières de Yom Kippour, on dit c'est Skila, Serefa, Herek, Vechenek. Skila, Serefa, Herek, Vechenek. Eh bien, dans la Beth Knesset de Rabbi Shimon, on disait Serefa, Skila, Chenek, Vechenek. On inversait. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on fait 2, 1, 4, 3. Serefa, Skila, Chenek, Vechenek. Et là, dans notre Mishnah, ils vont s'expliquer. Comment est-ce qu'on a décidé? Chachamim et Rabbi Shimon, comment ont-ils décidé qui était le plus grave? Alors on va mettre en confrontation tout d'abord la Aniskalin, Banisrafin. Si des gens condamnés à la lapidation se mélangent avec d'autres personnes qui sont condamnées à être brûlées, on a dit la règle, on leur applique à tous la mort la moins sévère, l'exécution la moins sévère. Quelle sera cette exécution la moins sévère? Rabbi Shimon Omer, Nidonim, Biskela, on les lapidera tous. On les exécutera tous par la skila. Pourquoi? Shasreifa Hamura. Car le fait d'être brûlé, c'est une mort beaucoup plus grave. Et il va s'expliquer pourquoi. Vachachaim et Amourim, non. Chachamim discute et disent non. Nidonim Besreifa, on va tous les brûler, on ne va pas les lapider. Pourquoi? Shaskila Hamura. Car c'est la lapidation qui est plus grave. Amar Lain Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va venir et s'expliquer, leur dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est la Sreifa qui est la plus grave. Et là, je vais corriger une erreur que je vous ai dit au début de ce Pérec, dans quelques secondes. Im lo haïta Sreifa Chamura. Amar Lain Rabbi Shimon. Rabbi Shimon leur dit ilo lo haïta Sreifa Chamura. Si le fait d'être brûlé n'était pas la plus grave des condamnations, lo nitna le bat kohen shezinta. La Torah ne l'aurait pas donné à une bat kohen shezinta, à une jeune kohenet, une fille de kohen qui a commis la faute d'adultère. Amroulo, Chachamim ont retorqué, loita. Et non, on s'arrête là déjà pour expliquer d'abord qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon. Et alors là, je corrige d'abord une erreur que je vous ai dit. On avait appris, tout d'abord, une femme qui commet un adultère. Si c'est une femme mariée, sa condamnation à mort, ce sera le chénèque, la strangulation. Et si c'est une jeune bétoula vierge qui est fiancée, comme à l'époque, bien sûr, quand c'est une femme mariée, alors là, elle a un chiouf spécial de skila, d'être lapidée. D'accord? Ouais. Nara meurasa. Une jeune fille qui est fiancée, la Torah le dit explicitement, on est chayav skila sur elle. Lapidation, celui qui trompe. Qui va avec cette femme, qui va commettre un adultère avec cette jeune fille, cette jeune adolescente, qui est encore vierge, et qui est uniquement mariée, c'est-à-dire qu'elle a fait les kiddushin, mais sans avoir fait la choupa, qui n'a pas encore été unie avec son mari, son chiyuv, celui qui va avec elle, il est chayav skila à la lapidation. D'accord? Ça, c'est pour une femme normale, une bat Israël. Maintenant, pour la kohenet, la fille du kohen, qui commettrait une faute d'adultère, pour le moment, je ne précise pas. Alors, la Torah l'a donné une mort spéciale, elle le dit « Sreifa », on la brûle, comme c'était rapporté dans la première Mishnah du Perek. Et moi, d'abord, je vous répète mon erreur que j'ai dit comme ça, je vous l'ai fait supprimer, j'espère que vous n'allez pas retenir mon erreur, vous allez retenir juste ce qu'il faut retenir. Moi, je pensais que la Sreifa, c'était uniquement pour la jeune fille, qui est Kohenet. Eh bien, j'ai doublement faux. Tout d'abord, le Chiyuv Sreifa, alors je vous rapporte en fait la discussion qui se passe en off, entre Chachamim et Rabbi Shimon. Tout d'abord,
le chiouv sreifa de brûler la fille du Kohen, elle est tout d'abord dite sur une femme mariée qui vit depuis des années avec son mari, mais que son père c'est un Kohen. Si elle fait comme un adultère, elle sera bisreifa. Au lieu d'être bechenek, étranglée, la strangulation, on lui fera sreifa, on lui brûlera ses entrailles en lui faisant couler le plomb. À part ça, il y a une discussion technique entre eux, technique, ouais, ça démarre à partir de Psukim, entre Rabbi Shimon et Chachamim. Si toutefois, cette fille de Kohen, c'est une jeune fille, Arusa, qui est fiancée, et qui est Betula, et qui vit encore chez son père, qu'est-ce qu'on lui fera? Rabbi Shimon est déduit des Psukim qu'il faut lui faire Sreifa. Et Chachamim nous disent, il n'y a aucune déduction du Pasuk. Donc, il n'y a aucune déduction du Pasuk. Donc Rachami va nous dire non, on lui fera ce qu'il a en l'occurrence. Je vous annonce tout de suite la couleur. Soit, si je récapitule maintenant la situation où on en est, on a que pour une Bat Cohen qui est Betula Arusa, une fille fiancée, Cohen, fille de Cohen, qui est fiancée, vierge, et qui commet une faute d'adultère, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rachamim. Rachamim nous dit tu lui fais ce qu'il a. Et Rabbi Shimon vient nous dit non, j'ai un Pasuk qui me dit Sreifa. Soit, maintenant, on fait fonctionner un petit peu la logique. Une fille de Cohen qui commet son acte, c'est beaucoup plus grave. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que la Torah l'a précisé, une mort spéciale. Parce que toi, tu es digne d'être la fille des Kohanim et tu te conduis comme un... Tu n'as pas honte de ce que tu as fait, ou ton père, il t'a mal éduqué. Donc maintenant, on va lui faire la Sreifa, on va lui faire plus qu'une femme normale. Alors maintenant, on revient sur cette jeune fille. On va lui faire plus qu'une femme normale et on va lui faire la Sreifa. Rabbi Shimon déduit de là que Sreifa Hamura, le fait de brûler, c'est plus grave que d'être lapidé. Puisqu'une femme normale, elle doit, une jeune fille normale, vierge, elle doit être Biskila, on doit lui faire la lapidation. Mais la fille du Kohen, on va lui faire la Sreifa. Ça signifie que la Sreifa, brûler, c'est plus grave que la Skila. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Chachamim disent tout simplement, je vous annonce tout de suite, on va la faire tout de suite dans les mots. Chachamim disent non. Il n'y a aucune preuve du Pasouk qu'on parle d'une fille qui est Betula. Le Pasouk qui a dit de faire la Sreifa. On ne parle pas d'une jeune fille qui était chez son père. On parle d'une femme mariée. Une femme mariée qui avait un père Cohen. Alors elle, on lui fera cette grave condamnation à mort. Mais pour la jeune fille Cohen, il n'y a pas de Pasouk. Par contre, d'un autre côté, j'ai une grande preuve contre toi, Rabbi Shimon. Amrolo chachamim nous rétorqué. Il lo et askila chamura. Si c'était pas ce qu'il a la plus grave des fautes, je vous pose une question. C'est quoi la plus grave des fautes de la Torah? N'est-ce pas la Avodazara? Ou, bien sûr, il y a trois fautes qui sont graves. Et ouais, Avodazara, Geloreot, Shifurdamim, l'adultère. Mais quand même, l'adultère, on peut quand même comprendre. On comprend, si on peut dire, je sais pas, mais en tout cas, on comprend qu'il y a des pulsions instinctives qui vont faire des Averot. Alors, c'est sûr, tu manques de retenue et tu es capable de passer des barrières que tu n'avais pas à passer. Mais on peut au moins entendre qu'il y a des ta'avot. Tandis que faire toutes les fautes de Avodah Zara, c'est pas les plus graves des fautes, pire que ça. Blasphémer, se mettre à Chassou Shalom, maudire. Ouais, bénir Hachem, ce qu'on appelle dire bénir Hachem. C'est pas les plus graves des Averot. Et qu'est-ce que la Torah a donné pour ces plus graves des Averot? Ce qu'il a. On peut pas déduire de là que ce qu'il a, c'est la plus grave des condamnations à mort. C'est ce qui rétorque Chachamim. Amroulo, Chachamim l'ont rétorqué. Ilulo et Askila Chamura, si ce n'était pas la lapidation qui était la plus grave d'Averot, l'onitna le Megadef, vela oved Avodazara, la Torah n'aurait pas donné cette mort-là à Megadef, celui qui ose blasphémer, maudire, vela oved Avodazara, et faire de l'idolâtrie. La Torah a donné ces condamnations, c'est que forcément c'est les condamnations les plus graves. Donc en fait, si je récapitule, la discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim, on a une discussion technique entre Rabbi Shimon et Chachamim, quelle est la condamnation à mort la plus grave? Est-ce que c'est la Sreifa ou c'est la Skila? Rabbi Shimon, lui, il a une raison pourquoi il déduit que la fille du Kohen, fiancée, vierge, qui fait une adultère, elle est Bisreifa, on la brûle, au lieu de lui faire la lapidation, on déduit que brûler, c'est plus grave que d'être lapidé. Chachamim n'ont pas cette preuve-là, n'ont pas cette déduction. Alors, par contre, d'un autre côté, ils ont une logique qui leur dit « Mais non, la plus grave d'Averot, pour la plus grave d'Averot, la Torah l'a donné lapidation. Je déduis que la lapidation, c'est la plus grave des fautes. Dans ce cas-là, le chiouv sreifa qui a été dit pour la fille du Kohen, il est uniquement pour une femme Kohen mariée. Et en l'occurrence, maintenant, on revient sur notre Mishnah. Lorsqu'on a des coupables condamnés à l'exécution par la lapidation ou par le fait d'être brûlé, condamné à être brûlé, alors,
Rabbi Shimon va nous dire, dans le doute, tu lapides tout le monde, mais tu vas pas te mettre à les brûler tous, parce que brûler, c'est une avéra beaucoup plus, c'est une condamnation beaucoup plus forte, dure. Et Chachamim va nous dire, non, au contraire, tu vas tous les brûler, parce qu'être lapidé, c'est une avéra plus grave. D'accord ? Maintenant, pour la dernière phrase de la Mishnah, comme ça je m'acquitte de mon devoir de faire la Mishnah, mais on la reprendra demain un peu plus dans les détails. On a la même situation maintenant, on avait parlé, il y a quatre formes de mitot bedin, skila, sreifa, herek, vechenek, skila, sreifa, la lapidation et le fait d'être brûlé. Ça maintenant on a fini avec la première discussion, maintenant on va découvrir la même discussion avec herek, vechenek. Herek, la décapitation, chenek, la strangulation, le fait d'être étranglé. D'accord ? Un, on lui fait sauter la tête, et l'autre, on lui serre avec la corde jusqu'à ce qu'on l'étouffe. Alors, on va avoir une nouvelle discussion. On l'expliquera plus demain, mais si on a des gens condamnés à Hereg, décapitation, qui se mélange avec Nechenakim, les gens condamnés à la strangulation, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, tous, Besaïf, on leur tranche à tous leur tête, mais on va pas se mettre à les étrangler, parce qu'étrangler c'est une mort beaucoup plus dure, Chachamim Omrim, Bechenek, et Chachamim disent, non, on va tous les étrangler, parce que décapiter c'est une mort plus dure, on expliquera demain, on prendra quelques minutes, pour expliquer plus profondément la discussion. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.